aka iye iye ba imenu ava ikimai tupuwe purotumane akoko irai taku inangaro ba imeti aka iye iye ba imenu ava ikimai tupuwe purotumane akoko irai taku inangaro kiaku kiaku taku inangaro Elle est pas belle la vie. On est enfin arrivé au Tuamotu. C'est notre premier réveil à Tikeho. On s'est pas super bien reposé parce qu'il y a encore beaucoup de vent et ça bouge dans le lagon. Mais c'est juste trop bien de se réveiller et d'être entouré de ce paysage. J'ai de la mission, capitaine. Mettre le moteur sur l'annexe pour qu'on puisse aller faire vroom vroom. Ah, allô. Ah non, ça c'est pas la mission, ça c'est l'objectif. Ça. L'objectif, ne pas tomber à l'eau. Oh my god. Ça serait bien si l'arrière était à l'arrière du bateau. Arrivé que nous avons déjà une nouvelle équipière pour quelques jours. Le programme de la journée, c'est aller à terre au plus vite pour ne pas faire fuir mon frère aussi rapidement. Car oui, il s'avère qu'il a le mal de mer et qu'il est un peu au bout de sa vie. On en profite pour faire le tour de l'île principale et y découvrir sa beauté. Lors de notre tour de l'île, nous nous sommes arrêtés à la cloche de Hina, qui est un surélèvement corallien. La légende dit que le père de Hina, jeune fille très appréciée des habitants, prenait une palme de cocotier et frappait sur la cloche corallienne. Une première fois pour prévenir les habitants de ne pas s'approcher du récif, une deuxième fois pour demander à la mère de remplir la vasque corallienne pour que sa fille puisse s'y baigner, et une troisième fois pour que la mère s'y retire. Sinon, pour la petite explication, Tikeho est un atoll de 27 km de long et de 19 de large, avec un lagon de sable rose qui en fait sa particularité. Ses habitants y sont adorables et c'est pour nous un réel coup de cœur. Tarana ! Tarana ! Oula, Mathis ! Après un bon petit repas, et surtout la première bière des vacances, c'est parti pour une tentative de kite. Mais au vu de la force du vent, c'est pas gagné. Ça n'enlève en rien la détermination de Marine. Merci. Ça se passe bien. Ça va toi? Ça va mieux. Et même sur Instagram, ils ont la main de leur mec.
vois qu'il y en a qui font du kite là-bas. Marine qui fait du kite, qui essaye parce que le vent est un peu light. Il y en a d'autres qui sont en pleine activité sportive. Du coup là elle est en plein sport. C'est intense hein, je suis fatiguée. Je sais pas si je vais tenir la cadence. Et voilà, ça fait peur. Moi j'ai un beau chapeau, t'as vu mon chapeau? Il est beau. La meilleure chapeau. Lui il est un bob noir, c'est pas assez chapeau. Avec parcimonie. Et du coup, on prend sa douche dans l'eau de mer. Et on se rince à l'eau douce. Ce soir est une soirée particulière puisque nous fêtons les 30 ans de Mika, que nous n'avons pas pu fêter avant puisque nous étions en mer. Donc ma mission, rattraper ça au mieux. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe là? Préparation d'une tartiflette. Patate douce et patate normale avec lait de coco. Ça a l'air un peu la main. Hein. Il y a le droit d'auteur pour la musique. Donc là, on essaie juste de pas se brûler. Avec ce plat qui a pas l'air mal. Hein. Ah, ça brûle. Et c'est pas mal. Hein. Bon, nous, on mange, on vous laisse à l'apéro. Là. Le chef vous propose sa délicieuse tartiflette lait de coco reblochon, patate douce, voilà, inventée par notre chef du bord. Avec un bon vin rouge. Ouais. Faut pas louper l'ouverture de la bouteille. Hein. Ouais, c'est ouf, c'est trop énorme comme ça. Ah, vin. T'as loupé là. Ah, t'as loupé, mais en plus, voilà, c'est la merde. Carnage. Voilà, il est fini. C'était délicieux. On s'est régalé. C'est parce que c'est très bon. Le champ lait de coco qu'on se dit, c'est délicieux. Voilà. Moi, j'en laisse pas une miette. Et on va ensuite passer au gâteau. Est-ce qu'on va avoir assez de bougies? Non. Ça commence à être trop vieux là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Mika! Joyeux anniversaire, Mika! Joyeux anniversaire! Merci, j'ai 12 ans? Oui, t'as 12 ans, regardez. Cool. T'es trop vieux, il n'y a pas assez de bougies, mon pote. Merci. Ah ouais. Ça, c'est mon futur bateau. Ah. Mathis, il va kiffer ça. Cool. Ah, je connais ces bateaux. J'ai construit des Il y a de chance. Oui. C'est pas ça. Moi aussi. Moi aussi, il a voyagé. Ah ouais. Ouais, c'est pas
Quand c'est dans le bateau, ça va. Ah oui, là, on est bien, là. Ah, excellent. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? À peine réveillés que nous accrochons déjà notre nouvelle mascotte. Pas mal le bateau comme ça, non? Bon, sinon, aujourd'hui, direction l'île aux oiseaux, le spot pour voir les raies-mantas, en espérant être chanceux et pouvoir nager avec. C'est parti! Voilà la vue depuis la maison, il y a des oiseaux qui nichent. Là, il y a un œuf. Voilà monsieur qui m'observe. Salut toi! I seen it before. Call me what you want, I'm done. Your bag's in front. And you always thought you had it all. Believe me when I say you couldn't be more wrong. But I'm already through with you. Tired of this same old view. Coucou. On va tenter d'aller voir des raies-mantas, voir s'il y en a. On va se mettre à l'eau par là devant. Et on va se laisser dériver jusqu'au spot à raies-mantas. Allez, go! Avec la bière. Et Manouya. Oui, oui, oui. Ah, ah. Il ne restait pas grand chose. Oh putain, ça a réussi. Ouais. C'est comme à Koh-Lanta, un fiche pour 4. On a le droit à 3 grains de riz et un fiche pour 4 ce soir. Attends, c'est le début là. Dans chaque vidéo, Marine, on va l'entendre repasser. Oui, parce que là, du coup, il y aura le son. C'était pas censé mettre de la musique. Pas partout. Bien joué, premier fil. Putain, il est bon. Plus il s'approche, plus il est grand. Je crois que c'est un perroquet, ouais. Il a un bec. Yeah, le premier. Un sashimi. Place au changement de mouillage. Donc on était mouillé au niveau du village. Et là, on va mouiller près de l'hôtel Pearl Beach. Tiki Hall Pearl Beach, il semble, quelque chose comme ça. On allait faire un repérage en annexe, c'était sympa. Du coup, on est arrivé au bateau, on a dit go. Il est 15h,
c'est un petit peu tard pour le faire. Mais comme on a le petit soleil dans le dos, on voit quand même les patates devant, donc c'est parti. Pour finir la journée en beauté, rien de mieux qu'une petite bière sur la plage. Mathis et Mika ont pour mission de râper des cocos pour en faire du lait de coco. Et pour une première, Mathis se débrouille plutôt bien. C'est aussi sur cette plage que nous ferons la connaissance d'une fabuleuse voyageuse, Linda, qui nous invitera à visiter le bateau sur lequel elle est équipière. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Alors restez connectés et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Moya tiana koi chukumai turi mai ti inangarunia puranga e chumai nei ikite ato mania kuatangi te manu ye 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 koko uri mai money.